tout le monde, c'est Victor. J'espère que vous allez tous très bien, les gars. Déjà, je vous souhaite d'excellentes fêtes parce que là, ça y est, les gars, on y est. Ce soir, c'est le repas de famille avec le tonton un peu raciste, mamie qui entend rien, les parents qui vont picoler, qui vont s'engueuler. Bref, c'est ça qu'on aime. C'est ça l'esprit de Noël, les gars. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes donc le 24 décembre. Il est exactement à ma montre 14h24. Donc vous voyez que on est en plein préparatif. Aujourd'hui, on va parler d'e-football. Ah, oh, ça faisait longtemps, on va parler d'e-football. Et figurez-vous, il y a des trucs positifs, les gars. Au milieu de ce gros caca, j'ai trouvé un petit chocolat. Un petit chocolat. Alors, les gars, on se calme, hein. C'est pas un truc de fou. Mais quand il y a du positif, on a le droit d'en parler. Bah, c'est justement ce qu'on va faire. C'est parti pour la vidéo. Non, non, attends, attends. Avant, like et abonne-toi. C'est bon, c'est fait, c'est fait. C'est parti. Il y avait déjà un truc qui m'avait fait extrêmement rire. C'est que Konami avait mis un petit tweet comme quoi il s'octroyait des vacances de Noël et donc qu'il ne travaillerait pas pendant les fêtes. Alors, bien sûr, ils ont le droit à des vacances, les gars. Enfin, vu le boulot qu'ils ont fait depuis la rentrée, je pense pas que les gars ils soient overbookés, tu vois. Je pense pas qu'ils soient vraiment au bout du rouleau. Mais bon, bonnes vacances les amis de Coco, revenus en 2022, bien en forme pour faire du vrai travail. Mais en fait, ils nous ont sorti un truc qui est quand même pas mal, les gars. C'est une campagne qui va récompenser les mecs qui jouent. Donc plus tu joues, plus tu auras des récompenses à la sortie du jeu. Et en plus, plus tu marques de buts, et plus tu auras aussi d'autres récompenses. L'idée, elle est très bonne. Franchement, l'idée, elle est très bonne. Voilà comment motiver des gens à jouer. Après, bien sûr, pour moi, le jeu, il est tellement claqué. En tout cas, il n'est pas à mon goût. Donc, j'ai pas envie de faire cette campagne. Mais pour ceux qui y jouent, c'est très bien. Mais ça nous apprend des choses sur le futur jeu eFootball. C'est ça qui est très important. Vous allez voir que par rapport à ce qu'ils nous mettent sur le site officiel, bah oui, on apprend des choses. On apprend un petit peu comment va se passer certaines choses, certains recrutements et à peu près les coûts. Et vous allez voir qu'à mon avis, il y a quelques trucs qui vont changer par rapport aux anciens PES. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, malheureusement, ils n'ont toujours pas viré le graphiste. Et il serait temps d'en changer. Et donc, cette première image nous apprend que si vous arrivez à atteindre 40 matchs, vous gagnerez cette carte de Raoul en légende. Et plus vous marquez des buts, et ben en fait, plus vous gagnerez des GP. Alors déjà, je vais parler d'un truc. C'est que à mon avis, il y a 90% de chances que la carte de Raoul, elle soit pas du tout méta pour le futur jeu. On va pas se mentir, en général, dans tous les jeux, que ce soit PES ou FIFA ou même eFootball, les joueurs qui sont lents, bah en fait, ils sont très mauvais en jeu vidéo. Bah là, Raoul, en général, c'est ça. Mais bon, ça, c'est plutôt très bien, comme je vous l'ai dit. Après, l'autre truc, c'est les GP. Et moi, j'étais le premier à dire, mais franchement, les gars, à quoi ça sert que vous fassiez les défis toutes les semaines pour engranger des GP? Là, il y a des mecs qui ont déjà des millions de GP. Alors qu'on sait très bien que les packs, ils vont être en pièces. Donc, tes GP, si ça fait comme PES 2020-21, on a fini l'année avec un nombre de GP incroyable parce qu'en fait, ça nous servait à rien. Bah, en fait, ça, ça va peut-être changer et tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Puisqu'en fait, on nous apprend que grâce aux GP, on va pouvoir recruter des joueurs et choisir des joueurs réguliers. Et quand on voit les prix, bah, en fait, on se rend compte que les prix sont quand même assez élevés. Regardez, un Ciro Immobilier qui n'est pas un des tout meilleurs attaquants du monde et ce ne sera pas un des tout meilleurs attaquants du jeu, même si c'est un attaquant qui est très bon, il vaut 180 000 GP. 180 000 GP, les gars, c'est quand même énorme. Donc, imaginez un Neymar, un Mbappé ou un Cristiano Ronaldo. Vous voyez à peu près les niveaux. Donc, ça, c'est très bien. Deuxième chose, on voit aussi le prix d'un manager. Et là, pareil, on se rend compte qu'un manager, bah, ça coûte 40 000 GP. Et c'est Xavi, pas le tout meilleur manager. Donc, je pense qu'un Jürgen Klopp ou un Guardiola, ça va peut-être valoir à peu près 60-80 000 GP. Encore une fois, les prix sont très hauts. Moi, ça, je trouve ça bien. Alors, je trouve ça bien. Pourquoi? Rappelez-vous que là, on est sur un free-to-play qui n'aura pas de fin. Ce qui veut dire que les joueurs et les entraîneurs que vous allez recruter à la sortie de eFootball, vous les aurez tant que vous jouerez eFootball. Ça veut dire que dans 2-3 ans, vous pourrez toujours jouer avec ces mêmes joueurs et vous pourrez bien sûr toujours utiliser les mêmes entraîneurs. Le truc, et ça, tous ceux qui ont joué à PES, ceux qui jouent à FIFA, en bref, ceux qui connaissent les jeux de foot, on le sait, ça va être comme sur PES Mobile. PES Mobile, c'était le cas, c'est-à-dire que les joueurs qu'ils avaient d'une année sur l'autre, ils les gardaient, en tout cas la majorité des joueurs. Ce qui fait que forcément, au bout d'une saison, on a tous des gros comptes. Et forcément, on va jouer avec quoi comme joueur? On va pas jouer avec des joueurs réguliers. Même si tu as un Neymar, un Mbappé, il y aura forcément des cartes boost qui vont sortir dans l'année. Une ou plusieurs, mais plusieurs, ça c'est sûr. Et ça, les cartes boost, encore une fois, pour les avoir, faudra passer à la caisse. Ça, c'est sûr et certain. Tes GP, ils ne te serviront pas à ça. Du coup, voilà, je mets un petit bémol parce que je me dis que forcément, au bout d'un moment, on va tout jouer
avec des joueurs boost. En tout cas, tous ceux qui veulent jouer les hauts classements. Après, c'est sûr que si toi, tu t'éclates avec des 3 étoiles, etc., tu vas kiffer jouer avec des GP, c'est normal. Mais ceux qui veulent vraiment les meilleures équipes possibles, qu'avec des légendes ou qu'avec bah, des boosts, forcément, là, tes GP ne serviront à rien. On va juste te servir au début du jeu. C'est pas tout, on apprend encore d'autres trucs. Il nous réexplique que les joueurs de l'équipe de la semaine ne pourront pas évoluer en notes. Ça, c'est très bien. Mais que les joueurs régulars, les joueurs vedettes et les joueurs légendes, eux, ils pourront être entraînés pour gagner des niveaux comme sur les anciens PES. Pour les entraîner, il va bien sûr falloir des entraîneurs d'expérience. Bah, grâce à ça, tu vas aussi pouvoir en gagner. Donc ça, c'est aussi pas mal. Puisque tu vois, si tu fais un match, tu gagneras un entraîneur de 1000. Si tu fais 3 matchs, tu gagneras, t'en gagneras 4, etc., etc. Jusqu'au 40, tu gagneras Raoul. Et enfin, pour les plus motivés qui feront 85 matchs, pour faire 85 matchs sur le jeu actuel, faut être chaud. Bref, tu gagneras 100 entraîneurs de 4000 et un entraîneur de 10000. Donc ça, c'est très bien. Tu vois, plus tu joues, plus tu vas gagner des récompenses. Et également, plus tu marques, plus tu vas gagner des GP. Puisque là, il t'explique que si tu marques 50 buts, tu gagneras 30000 GP. Plus si tu fais tous les défis de la semaine, tu risques d'arriver à la sortie du jeu au printemps avec, je ne sais pas, peut-être 1 million de GP. 1 million de GP plus les joueurs qu'on va gagner par rapport à notre bonus d'ancienneté, ceux qu'on jouait aux anciens PES, plus le bonus de précommande, plus tous ceux qui font les défis toutes les semaines qui vont gagner tous les GP. Bref, j'ai bien peur que ce que fait Konami là pour le moment actuel, c'est très bien parce que ça fait une petite carotte aux gens pour leur dire, voilà, jouez, vous allez gagner des trucs. Mais par contre, le gros bémol, c'est qu'à la sortie du jeu, ces mecs-là, en fait, ils vont presque déjà avoir fini le jeu. Puisqu'en fait, ils auront déjà la meilleure équipe en régular. En tout cas, ils pourront l'avoir facilement. Et ils auront tous les entraîneurs pour booster leur équipe très rapidement. À moins, comme je vous l'ai dit précédemment, que vraiment les prix soient très élevés. Mais voilà, j'espère qu'ils n'ont pas créé ce déséquilibre-là. Parce que à vouloir sauver les meubles de cette espèce de démo machin, eFootball comme il est maintenant, j'espère qu'il ne tue pas déjà le jeu qui va sortir au printemps. Bref, tu l'auras compris, c'est la première fois depuis cet été que j'arrive à trouver des points positifs à ce jeu. Et j'ai quand même assez cherché, tu vois. Mais ça n'empêche qu'il reste quand même des points d'ombre et des trucs qui peuvent complètement foirer, tu vois. Malheureusement, Konami, depuis plusieurs mois, ils nous ont montré que quand on ne sait pas trop, quand ça peut pencher d'un côté ou de l'autre, en ce moment, à 100%, ça penche du mauvais côté. Donc, j'espère que là, ce ne sera pas le cas. Et j'espère que les mecs qui poncent le jeu actuel et qui s'y plaisent, et c'est très bien pour eux, j'espère qu'ils ne vont pas se retrouver à la sortie du vrai jeu, avoir fini. Sinon, franchement, ce serait très dommage. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. Pendant les quelques jours de Noël, là, vous allez avoir pas mal de vidéos. Vous allez voir que demain, il y a une grosse surprise, pour moi en tout cas. Ne loupez pas ça. Voilà, faites attention à vous. Si vous buvez, prenez pas le volant. Profitez de vos proches. Soyez prudents. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Luthor. Ciao, les mecs.